Le voilà, El Arkham. Quel beau cheval. Il y a beaucoup à dire sur El Arkham, qui a été le premier fils de Frankel à rentrer au haras en France. On en a parlé tout à l'heure de Frankel, un étalon et un cheval de course exceptionnel. Et El Arkham qui a effectué sa première saison de monde chez Larissa Knepp au haras de Saint-Arnoult l'an dernier. Il a gagné, il en a gagné des groupes. Hein. 3 de 2 à 5 ans, de 14 à 2000 mètres. Vous avez vu sa victoire de groupe 3, il a aussi gagné un groupe 2 à York. Et il a également terminé 3e, très malheureux, je me rappelle, des International Stakes derrière Japan et Crystal Ocean, c'est pas n'importe quoi. Il avait un rating de cheval de groupe 1 et il avait tout pour bien faire, ce El Arkham. Rendez-vous compte qu'il a coûté 1,6 million de guinées yearling, fils de Frankel et d'une championne Attraction chez Mark Johnston, qui a aussi entraîné ce El Arkham. Elle a gagné 5 groupes 1, dont 4 à 3 ans Attraction, notamment doublé entre les Guinées anglaises et irlandaises. Et donc, son fils El Arkham lui a fait honneur en piste en remportant de très belles courses, en se plaçant de groupe 1. Un Frankel avec une mère physio qui, à mon sens, peut aussi produire en obstacle. C'est ce qu'on va demander en tout cas à Larissa Knepp.